On nous regarde en effet. Mais combien nous sommes attendus? Cela ne nous confère aucune supériorité, mais simplement peut-être la joie de ces peuples qui nous retrouvent en disant enfin le monde s'éveille et se réveille. Peut-être que certains réalisent que de par les traditions, on parle du peuple des arbres, qu'on parle des éléments et des élémentaux. Peut-être qu'enfin le monde se réveille, réalisant que le mental n'est pas la panacée, mais qu'il nous coupe de toute force de vie, de création, qu'il nous coupe simplement de la joie et de la pétillance. Combien nous sommes heureux, nous que tu appelles résineux. Combien nous sommes heureux de vous accueillir, soyez les bienvenus. Nous vous invitons, mon Dieu, quel sérieux! Quel sérieux à travers tous ces êtres qui sont là et qui n'ont qu'un désir d'ouvrir les vieux grimoires pour dire vont-ils être exhumés pour qu'enfin les pantomimes du passé, ceux qui ont fait rêver les enfants que nous avons pu être, puissent à nouveau là être vivants, présents, prégnants. Vont-ils être là enfin pour nous dire que la vie c'est autre chose que quelque chose de difficile, que des défis en permanence, que des moments où nos genoux sont écorchés à force de poser genoux en terre et puis que nos cœurs se ferment et nos regards pleins de larmes parce qu'ils ont le regret. Mais non, amis, nous n'avons pas disparu, nous nous sommes simplement cachés parce qu'il y a tellement, au cœur de cette humanité, des êtres qui ont obscurci leur conscience au point qu'il était indispensable que pour se protéger, nous puissions être masqués. Et les temps ont sonné pour que nous puissions nous retrouver. Il est clair que nous ne viendrons pas vous rencontrer dans vos quotidiens, en des espaces où la vie va et vient est trépidante. Mais nous serons en gratitude, banquets sont déjà prêts pour que vous puissiez être là et que vous puissiez vous autoriser à trinquer avec nous. Que nous puissions, comme disait mon ami des roches, que nous puissions festoyer, que nous puissions à nouveau, là, nous sentir en confiance. On est vraiment dans une forêt qui est surprenante et il y a plusieurs roches d'ailleurs qui sont interpellantes et dont celle-ci hein, qui interroge, on se demande un petit peu. Donc c'est l'œuvre d'un artiste. Pourquoi a-t-il mis cet anneau? Moi ça me suggère le fait de trouver le code pour ouvrir au monde, à différents mondes qui sont là et qui nous entoure, que nous côtoyons parfois sans les voir, mais pour lequel, eh bien, si je j'autorise hein, d'ouvrir la porte et puis de trouver la clé, trouver le code, eh bien, ces mondes sont là, sont accessibles. Rien n'est caché, tout est là. Il suffit simplement de s'autoriser à décoder, à comprendre, et pour que les mondes puissent transmettre le message qui est le leur. Donc, ça fait penser à une porte, une ouverture sur un autre monde. Et des secrets qu'il recèle.